Qu'est-ce qui vous fascine dans le monde du X ? Toutes les positions que je ne connaissais pas. Quel souvenir gardez-vous de votre premier film X en tant que spectatrice et en tant qu'actrice ? Alors, en tant que spectatrice, je n'avais vu qu'un film porno avant d'en tourner. Donc, en plus avec des filles, donc c'était beaucoup plus pour rigoler, j'avais trouvé ça rigolo. Et ensuite, en tant qu'actrice, ma première scène, c'était sur un joli bateau avec deux beaux garçons et obligatoirement, je n'en ai qu'un bon souvenir. Avez-vous un film X culte ? Il y a un des films que j'ai tourné justement pour Canal+, c'est les 20 ans de plaisir. La scène la plus drôle qu'on vous ait demandé de tourner ? Alors, est-ce que j'ai fait une scène... dans le dernier film, elle est vraiment pas mal, Madame de la Poche Percée. Et la scène la plus difficile ? La scène la plus... Alors, j'ai pas de scène plus difficile, mais les difficultés que j'ai eues sur plusieurs scènes, c'est le froid, de travailler la nuit dans le froid quand il fait 0 degré. Quel est le partenaire idéal de tournage ? Manuel Ferrara. Avec quel acteur ou actrice rêvez-vous de tourner ? J'ai tourné avec toutes les meilleures. Quelle est votre meilleure amie dans le milieu du X ? Katsuni. La star du X, homme ou femme, la plus marquante pour vous ? Jenna Jameson. La star du X qui a le plus de recul sur elle ? Moi. Les nouvelles tendances pour vous dans le X ? Alors, elles ne sont plus trop nouvelles, on va parler du gonzo et peut-être du porno féminin, du porno pour les filles. Quelle est la réaction la plus courante quand on vous reconnaît dans la rue ? J'adore ce que vous faites. Avez-vous dû faire face à des réactions surprenantes ? Oui, j'ai dû faire face un jour à une réaction surprenante sur les Champs-Élysées. Un charmant jeune homme s'est agenouillé devant moi et m'a dit que je lui avais sauvé la vie. Voilà. Qu'avez-vous appris sur vous en travaillant dans le X ? Eh bien, j'ai appris que j'avais beaucoup de patience et surtout la tête sur les épaules. Dans votre filmographie, quel est le titre de film que vous préférez ? Je vais revenir à celui tout à l'heure, 20 ans de plaisir. Avez-vous un objet fétiche sur vous lors de vos tournages ? Non, pas du tout. Un fantasme avouable ? J'en ai plus. Quel est votre principal plaisir professionnel ? Tourner en famille, les amis, les copains, les copines. L'ambiance du tournage. Et quelle est votre principale qualité sur un plateau ? Je me mets dans un coin et je bouquine, je fais pas chier le monde et puis j'apprends mon texte avant. Et votre principal défaut ? Est-ce que j'ai vraiment un défaut ? Je reste très professionnelle, donc c'est pas moi qu'il faut le demander. Je pense pas faire d'erreur lorsque j'arrive sur un tournage. J'ai pas de défaut, moi. Tant de questions. Quel autre métier auriez-vous pu faire ou aimer faire ? Eh bien, j'en avais un avant, je donnais des cours de danse. Avez-vous un rêve ultime ? Ah, continuer à être heureuse, voilà. Je suis heureuse aujourd'hui et j'ai envie de l'être encore demain.